là, j'aimerais dire que je suis très impressionné par votre français. Parce que c'est très agréable et je m'attendais à vous voir. Enfin, je vous connaissais un peu par le livre d'Emmanuel Carrère, Limonov, qui avait eu prix Renaudot l'année dernière. Et je m'attendais à voir quelqu'un avec un français un peu approximatif, etc. Et je suis assez agréablement surpris déjà sur cet aspect-là. Vous avez dit tout à l'heure que vous rejetiez au nom de la quatrième théorie politique la lecture de classe, la lutte de classe. Moi, j'estime qu'on peut articuler la lutte des classes, la lecture de classe d'une société avec une sorte de patriotisme, d'attachement à l'État-nation. Par exemple, c'est ce qu'essaie aujourd'hui de faire à sa manière Hugo Chavez en Amérique latine. Daniel Ortega, c'est ce qu'on essaie un peu de faire aussi les sandinistes. Il y avait aussi un courant maoïste qu'on appelait les nationaux maoïstes ou les nazis maoïstes, je ne sais plus trop, qui essaie aussi d'articuler la nation et la lecture de classe. D'une certaine façon, c'est aussi ce qu'essaie de faire, parce que je vois qu'ils vendent le livre de Casapand, c'est ce qu'essaie de faire Casapand aussi en Italie, c'est essayer d'allier les deux. Après, vous allez me répondre, nous on a tenté ça dans les années 90 en alliant les deux théories politiques, communistes et fascistes. D'ailleurs, à la fin, après la Première Guerre mondiale, quand on se rapporte au programme fasciste, il est très social, et d'ailleurs en 1943, la République de Salo de Mussolini était très social, c'était presque anticapitaliste même, voire à un moment, c'était anticapitaliste. On ne sait pas justement qu'on peut, encore aujourd'hui, à l'image de Chavez ou de Morales, qui est aussi quelqu'un patriote, voire identitaire à sa façon, allier les deux, allier encore une lecture de classe et un patriotisme au lieu d'aller chercher quelque chose qui est hypothétique. Parce que vous parlez d'une invitation à trouver quelque chose de totalement nouveau, mais finalement on est toujours influencé par des choses qui se sont déjà passées. Donc voilà ma question. Moi je crois encore à ça, je crois encore à une lecture de classe qui puisse être conciliable à travers un attachement patriotique. Voilà. Merci. Je considère que, cette manière à voir la situation me paraît assez juste, mais une égalité des forces de notre côté et de côté d'eux. Et grande possibilité de faire le simulacre de leur part, parce que sous mes yeux, les représentants de droite radicale et la gauche radicale et même national-bolchevisme qui voulait faire ça devient de plus en plus le paradis. Peut-être si cette tactique pour être efficace, ça sera suffisant et on ne devra pas songer, imaginer quelques quatrième théorie politique. C'était mon opinion plus ou moins il y a 15 ans, mais on voit maintenant que ce n'est pas assez et que les États-nations ne peuvent pas, ne sont pas suffisants dans ce cas, et que le discours des classes au sein de la nation n'est pas soutenable. Même Chavez, que vous avez cité, et Evo Morales, nous sommes dans les relations très bonnes avec les ambassades et le cercle intellectuel de ces deux personnages que j'ai en grande estime. Ils aussi maintenant se retrouvent dans certains impasses intellectuelles. Que faire au futur? Par exemple, Chavez a proposé la création de grands espaces latino-américains, donc avec la décomposition des nations, des États-nations latino-américaine. Donc, Evo Morales, qui précisément insiste sur la même position que vous avez décrit, exactement, justement,
il, lui, à travers certains intellectuels proches, veut développer quelques nouveaux discours. Il n'est pas content de ce qu'on a, ni Chavez, ni Morales. Tout le monde comprend qu'il faut aller au-delà de tout ça. C'est pourquoi, en niant pas certaines valeurs, disons, dans les efforts d'unir gauche et droite dans ce sens, je crois qu'il faut voir plus loin. C'est tout. Donc, n'estime pas que la lecture des classes des nations, surtout des races, est disons, plus acceptable pour préparer l'alternative au libéralisme triomphant. Mais en même temps, je considère que historiquement, toute la lutte historique, idéologique, politique et sociale contre le libéralisme était justifiée. Donc, dans les autres situations, dans les autres époques, je serais aux côtés de n'importe quel groupe, mouvement, force politique qui luttait contre le libéralisme, parce que je considère que c'est vraiment le mal absolu pour moi, le libéralisme. Mais je crois que quand même, disons, quatrième théorie politique, c'est le pas en avant qui prolonge en quelque sorte le vecteur qui a été ébauché dans les années 90 par cet appel à unir la gauche et la droite dans la création du front anticapitaliste commun. Et je crois que nous sommes nous étions avec Christian en avant-garde de ce mouvement-là, et maintenant nous passons dans l'autre stade, c'est tout. C'est pas facile d'être toujours un peu en avant des processus qui se déroulent, mais je crois qu'il n'y a pas les contradictions dans votre orientation morale, je dirais, et ce que et les idées exprimées dans la quatrième théorie politique. Mais après, savoir plus, ou penser plus sur la quatrième théorie politique, peut-être ce passage-là, à partir de la lecture de classe vers la lecture à partir de Dasein, j'espère, pour vous, sera plus, disons, plus clair, plus naturel, ou paraîtra plus naturel. Peut-être. Non. Oui, bonjour. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez présenté une séparation entre un nord bourgeois et un sud prolétaire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une autre séparation qui est en train de se créer? C'est qu'on parle d'une élite globalisée mondiale qui habiterait dans un réseau de villes, par exemple, donc on va dire Moscou, Paris, Saint-Pétersbourg, New York, Berlin, tout ça, enfin Rio, Brasilia, tout ça, et le reste de l'humanité. Et je pense qu'on a vu ça, par exemple, dans votre pays, donc au moment donc, des manifestations qui ont été tant médiatisées. On a vu une élite moscovite descendre dans la rue, tandis que les gens qui habitaient dans les villes, je dirais, des régions, de la province, et je pense notamment à ce chef monteur dans une usine de chars, hein, à Oural-Vagonzavod, et on voyait vraiment l'opposition entre un monde, je dirais, élitiste, urbain, et je dirais un monde plutôt prolétaire, mais en dehors de cette modernité, entre guillemets, urbaine. Est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition est en train de se créer à ce niveau-là? Je crois que oui, vous avez raison, absolument. Mais c'est en quelque sorte le Nord riche, c'est le concept non pas seulement géographique. C'est philosophique. Philosophique et, disons, global aussi. Parce que le Nord riche se globalise, mais en même temps, le Sud périphérie aussi, le sud global se globalise aussi, parce que on a les représentations des gens de troisième
monte de la périphérie, même dans les capitaux des pays européens ou américains. Donc, il y a globalisation de deux concepts, mais finalement, il y a certains liens entre la géographie, disons, et la situation des classes qui restent encore. Et c'est très important et va rester quelques temps, parce que concentration des riches et des richesses dans le nord et l'absence totale des richesses dans le sud global, c'est le fait. Et le procès de globalisation fait changer cette situation, mais le Nord aussi devient global, comme le Sud, mais pas encore, c'est le fait. Par exemple, la géographie de la Russie montre que finalement, c'est la minorité du Nord vers la majorité du pays de deuxième monde ou du Sud. Et ces proportions très importantes, parce que en Occident, on a montré sûrement les images des protestateurs. J'ai participé, j'étais un des orateurs dans la grande manifestation en faveur de Poutine, qui n'était pas ou très peu filmée. Il y avait 100 fois, 10 fois plus des gens, mais ils n'étaient pas présentable, elle était russe, elle était russe des masses. Donc nous avons aussi le problème, les masses contre l'élite, les masses russes contre l'élite occidentalisée. C'est le nord et le sud où se trouvent à l'intérieur de nous. Et notre idée, c'est obliger l'élite russe de respecter les lois de la civilisation, de se recréer ou retourner à sa identité russe. Hein. Et c'est en quelque sorte le pacte civilisationnel. C'est le racisme. On peut être riche, mais on doit rester russe. Si on reste russe, c'est obligation. Certaines obligations, il doit prendre les considérations des autres Russes, comme les musulmans aussi. Ils limitent juridiquement certaines possibilités de s'enrichir, au moins en théorie. On devient riche, on doit aussi aider aux pauvres musulmans, basé sur la communauté religieuse. Ici, chez nous, nous proposons la communauté civilisationnelle. Donc, tu es riche, bien, mais tu es russe. Donc, donne l'argent aux autres russes, à l'État, aux services publics, etc., etc. Donc, c'était pour moi, en quelque sorte, le pacte de Poutine imposé sur les oligarques. Les uns ont appris, accepté, les autres se sont protestés. Ceux qui sont protestés sont ou en prison, ou à Londres, ou en Israël, dans les autres pays. Ceux qui ont accepté ne sont pas tellement loyaux. C'est un problème aussi. Bon, il y aura l'autre vague des ORS, je crois. La déportation. J'aimerais que vous reveniez sur la formulation de ce choix de communauté civilisationnelle, parce que vous tenez à le considérer encore comme un choix d'individu ou de peuple ou de civilisation libre, mais c'est un choix finalement assez contraint, puisque c'est le choix du destin, finalement, le choix de forces profondes civilisationnelles, que ce soit ethniques, religieuses, culturelles. Et à ce moment-là, cette invitation, ce choix-là peut être assez problématique dans sa formulation, puisque l'histoire a fait que les bassins civilisationnels se sont dilués et se marchent les uns sur les autres. Et donc sa formulation est problématique, à moins qu'on soit dans une situation de centre de pôle comme peuvent l'être les Russes. Donc ma question, c'est comment, dans le cas par exemple de l'Eurasie, vous pouvez convaincre votre étranger proche
qui fait partie indéniablement de la civilisation eurasiatique. Dans votre vision eurasienne, qui a peut-être un peu de mal à se sortir de son nationalisme, russe, j'étais par exemple assez étonné que vous insurgez contre le fait que des immigrés d'Asie centrale viennent en Russie, alors que l'Asie centrale est un des centres de l'Eurasie normalement. Voilà, comment vous pouvez convaincre cet étranger proche à votre vision eurasiste? Est-ce que le Caucase ou c'est l'Asie centrale a la même vision du besoin du tsar ou ce genre de choses, voilà. D'accord. Il faut comprendre que l'idée de créer l'Union eurasiatique, ce n'était pas l'idée de Poutine, c'était l'idée de Nazarbayev, le président de Kazakhstan. Et l'idée de l'intégration avec la Russie était soutenue et, promue par Loukachenko, le président de Biélorussie. Et Poutine était très hésitant pendant 12 ans à accepter le projet de l'intégration eurasienne. Donc, ça montre qu'au moins deux pays très importants, quant à la population, à l'espace, le Kazakhstan, trois France à mon avis, par les territoires, comment ceux qui aussi comprennent la nécessité de l'intégration. C'est pour commencer. À propos des autres pays, il y a dans ces pays deux secteurs, toujours. Un secteur se trouve qui est en faveur de l'intégration, et c'est tous les enquêtes sociologiques le montrent. Par exemple, les gens qui votent pour Yanukovych en Ukraine, ce sont les gens qui sont en faveur de l'Union eurasienne, de l'Union avec la Russie. Et toujours, il y a l'autre part dont la proportion varie. Si en fonction des minorités russes dans ces pays. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que il n'y a pas, par exemple, qui sont les Ukrainiennes. Ils ne sont pas ni russes ni non russes. C'est vraiment, il y a la frontière de la civilisation européenne, eurasienne, passe par Dnepr. Mais ce n'est pas ethnique, c'est culturel, social. On peut lier à la religion parce qu'il y a la majorité des Ukrainiennes sont orthodoxes, mais la partie sont orthodoxes nationalistes, les autres uniates, etc., etc. Mais finalement, toujours il y a les secteurs de la population qui ne sont pas ethniquement russes, mais qui préfèrent l'intégration. La même chose avec l'Arménie. La même chose même avec certains partis de population géorgienne. Maintenant, il y a l'autre chef de la Géorgie, proprement dit, parce qu'il passe à la République parlementaire à partir de la République présidentielle, comme avant. Ivanishvili, précisément, c'est le chef du parti qui a gagné les dernières élections. Il est en faveur de certaines coopérations et après, intégration avec nous. Donc, ça dépend non pas de l'absence de la volonté des sociétés, mais de la force, de la pression sur les sociétés ou des agents américains directs, libéraux, hégémoniques, unipolaristes, qui est toujours là, sur place, ou de certaines élites nationalistes qui veulent continuer à exploiter, sans les élites russes économiques, bien sûr, leur territoire. Donc, tous ces facteurs, on doit
on doit se rendre compte de ces particularités et proposer, disons, l'image sudisante, si vous voulez, de l'intégration eurasienne. Eurasiatisme doit séduire, non pas être imposé, non pas par la force, parce que ce n'est pas possible, ça ne sera acceptable, ce n'est pas réaliste. Mais il y a les choses qui attirent les gens dans la Russie, qui attirent les gens de l'Asie centrale, et cette grande émigration des peuples eurasiatiques des pays de l'Asie centrale montre que la Russie est le point, le pays d'attraction pour eux. Donc, nous sommes pour création, dans le cas de seul et même politéia, non pas peut-être l'État-nation, mais politéia, ils ne seront plus les émigrés, ils seront les citoyens, les mêmes citoyens comme nous. Et il n'y aura plus de problème de l'émigration, comme c'était dans l'État soviétique, quand il n'existait pas. Mais il faut créer nouvelle identité eurasienne qui sera troisième ou quatrième version de l'identité impériale, l'identité soviétique, mais cette fois ça sera l'autre identité. Nous ne pouvons pas retourner directement à, disons, à l'impérialisme tsariste. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable même, et ce n'est pas même désirable. Donc impossible, pas désirable, c'est la propagande de considérer les Russes d'aujourd'hui comme les colonialistes et impérialistes. Nous ne sommes plus impérialistes et colonialistes parce que nous n'avons pas les forces de le faire, peut-être. Mais finalement, notre ethnie, notre société se trouve en dégradation évidente. Et ce que nous voulons, c'est conserver notre possibilité du futur ou possible indépendant, ouvert, et non pas fermé dans le cas de la continuation des réformes occidentalistes. Quant à choix, ce n'est pas vraiment facile de le faire, je suis d'accord, mais je crois que nous devons aider à formuler le choix. C'est très important parce que c'est la lutte symbolique pour les arguments. Parce que quand on pose la question, qu'est-ce que vous choisissez, être pauvre ou riche, tout le monde choisira riche. Mais on oublie parfois de dire seconde partie. Mais vous serez les esclaves pour ça. Mais bon, vous serez riche, et finalement on n'est pas riche. C'est un tromperie. Comme j'ai parlé avec Brzezinski à Washington, j'ai dit à lui, mais vous avez promis à Gorbatchev de retirer les armées de l'OTAN, de la Germanie de l'Ouest. Elle m'a dit, nous l'ont trompé. Bon, c'est parfait, bon, c'est pour le business, c'est très bon argument. Nous avons trompé quelqu'un, nous avons gagné l'argent, bien, c'est celui qui est le vainqueur. Nous l'avons trompé, à Gorbatchev, a dit Brzezinski. We have tricked him, littéralement. Bon, ça on peut paraître à diable. Il vous propose d'être riche ou pauvre, et après dit, mais votre âme m'appartient, et vous ne serez pas riche. Donc, tout ce que vous avez, c'est bien la manière de procéder du libéralisme, par exemple. Je crois. Le problème pour l'Europe se pose. Comment l'Europe peut faire le choix? Je crois que ce n'est pas le choix entre les États-Unis et l'Eurasie, absolument. Cette fois, pas du tout. Entre le capitalisme, le socialisme. Mais c'est le choix entre l'Europe européenne et l'Europe américaine, l'Europe atlantiste. Donc l'Europe libre ou l'Europe esclave. L'Europe avec ses propres intérêts, sa propre identité stratégique avec ses intérêts, etc., avec ses valeurs, avec sa civilisation, ou l'Europe comme sub-puissance ou sub-hégémonie, sous-hégémonie, sous-impérialisme américain. Donc,
Alain Soral pose le problème, à mon avis, de manière très juste. Si où nous voulons l'Europe, ou vous voulez européenne, l'Europe européenne, non pas russe, non pas américaine, où vous aurez l'Europe américaine. Et il n'y a aucune possibilité que vous aurez l'Europe russe, parce que les Russes ne sont pas capables, d'envahir l'Europe. C'est le fait. Parce que nous avons tant de problèmes à l'intérieur que c'est exclu. Quand les Turcs se sont rendus compte de ça, ils ont changé complètement attitude par rapport à la Russie. Après avoir compris que le danger n'existe plus, la Russie n'est plus danger pour l'Europe, et dans les 100 années, ça ne pourra pas devenir. Avec seule exception, si les États-Unis utilisent la terre européenne pour nous attaquer nucléairement ou autrement. Donc nous serons obligés de répondre contre l'attaque. Mais c'est la seule chose. Le danger, c'est les États-Unis. C'est vraiment un danger. Le danger, c'est l'impérialisme libéral. Le danger, c'est le status quo. Parce que si on continue dans le genre que nous avons maintenant, que nous voyons maintenant en Europe, il ne faut pas être prophète pour dire que ça va finir très, très vite et très mal pour l'Europe et pour les Européens, parce que c'est en quelque sorte le cours suicidaire. Et ce n'est pas seulement moi ou Alain de Benoît que le disons, mais aussi par exemple Edgar Morin dans son livre « Vers l'abîme ». Le seul chemin de l'Europe actuelle. Mais bon, donc le choix pour l'Europe, je crois, non, ce n'est pas l'eurasisme ou l'atlantisme, mais c'est être ou n'être pas. Si l'Europe veut être, donc c'est bon choix. L'être, c'est bon choix. S'il vous plaît. Bonsoir et merci d'abord. Moi, si je suis en ce soir, c'est une connexion de Razi, j'ai un peu découverte avec Jean Parvulescu, avec ses romans. Vous avez parlé d'un retour au temps sacré, à des valeurs éternelles, pas ni début ni fin. Vous avez parlé de Chavez en Amérique latine, une espèce de foi populaire chrétienne, une foi qui est liée au peuple, voilà. Votre pays, la Russie, a le christianisme orthodoxe qui est encore extrêmement présent et c'est pareil, c'est une foi très populaire. Et moi, ma question, pour avoir un petit peu votre avis et peut-être celui de M. Boucher, c'est par rapport à nous, à la vieille Europe, Espagne, Irlande, Italie. Le constat est qu'au niveau du christianisme, il n'y a plus grand-chose. Peut-être que certains catholiques ici m'en voudront, mais en ayant conscience de ça, c'est vrai qu'on n'a plus une vraie foi populaire répandue. Un athéisme et le plaisir tout de suite et le contre-coup de mai 68. Donc, comment se positionner un petit peu par rapport à ça, surtout quand vous parlez du rapport à la civilisation et donc au sacré, nous, actuellement, donc hors Russie, hors Amérique du Sud, vraiment dans la vieille Europe, où il y a un matérialisme qui, tous les jours, c'est vraiment de pire en pire, comment se positionner et, voilà, quand, et surtout en ayant à l'esprit... des choses comme le salafisme, qui sont vraiment pour moi c'est le diable, hein, c'est une négation. Voilà. L'autre, surtout impérialisme américain. Exactement, un produit de, voilà. Mm-hmm. Donc, étant donné que je parlais avec le jeune homme qui est là tout à l'heure, on parlait un petit peu du soufisme, moi j'ai pu voir, j'ai vécu une dizaine d'années à Paris, que l'islam des grands-pères, l'islam soufi traditionnel se perdait quand même de plus en plus. Maintenant, avec les chaînes satellitaires, on voit le wahhabisme qui rentre directement, voilà, qui influe beaucoup. Donc, sans tomber dans un discours un petit peu identitaire ou de peur par rapport à ça, comment se positionner vraiment, nous, dans la vieille Europe, par rapport au sacré? Je crois que c'est difficile c'est les Européens, à mon avis, doivent décider leur méthode, leur voie de retrouver. Sacré, mon ami, regretté Jean Parvulescu, pensez sur certaines merveilles qui doivent se
produire certains retours des grands temps, comme il appelait son roman excellent. Donc, comment nous ne savons pas les voies de Dieu. Donc, peut-être, quand, comme l'autre anarchiste a dit, que rien n'est pas perdu jusqu'au moment où tout est perdu. Donc, si on existe, on a l'espoir. Si on est là, ici, donc on toujours peut imaginer quelque chose, ou peut-être la grâce divine se manifestera d'une manière inattendue. C'est en ce que croyait Jean Pavelesco, le retour du sacré. Alain de Benoist, d'une manière plus rationnelle, pense sur le retour à certaines traditions culturelles et populaires de temps pré-chrétien. Je crois que peut-être c'est le choix aussi pour certains parties. Peut-être on peut redécouvrir les racines sacrées du catholicisme, c'est l'autre possibilité. On peut, comme certains traditionnalistes, essayer de chercher dans l'islam ésotérique et traditionnel. J'ai rencontré en Italie il y a quelques jours le cheikh Abdel Wahid Palavicini, qui était envoyé à l'islam par Julius Evola, Claudio Muti, aussi l'autre représentant de Tariqat Soufi, et tous les deux italiens de pure souche. Et Palavicini était de la famille royale italienne, donc qui était italien européen. Pour eux, c'est la solution. Mais je n'exclus pas aussi que certains parmi les Européens peuvent retrouver christianisme sacré au sein de l'orthodoxie, parce que c'est peut-être plus proche que l'islam, plus européenne par les origines grecques, par l'existence des centres spirituels, l'église orthodoxe. Je n'insiste pas, parce que sinon on dit que c'est encore une fois l'impérialisme russe, mais je préfère de mentionner cette possibilité vers la fin de la liste, parce qu'il y a les autres, parce qu'ils dépendent du choix libre, totalement libre des Européens. Mais je crois, si on s'éloigne tant du catholicisme qu'on rentre en islam dans les recherches de sacré, c'est la tradition orthodoxe qui appartient à l'autre civilisation, que civilisation de l'Europe occidentale, c'est sûr, à l'autre civilisation, quand même à moitié voire par rapport à l'islam. C'est beaucoup plus proche. C'est l'autre civilisation, mais les liens avec l'Europe ne sont pas tellement distanciés, ne sont pas tellement grands. Donc, je ne le suggère pas, même Alain Dubin lui-même, une fois a dit, si je serai chrétien, je serai orthodoxe. Mais je ne suis pas chrétien. Bon, je le comprends absolument, parce que dans le christianisme orthodoxe, on a conservé le sens de la communauté. Beaucoup de traditions populaires, mais aussi les dimensions sacrées, même ésotériques. J'ai écrit le livre là-dessus qui s'appelle « L'ésotérisme de la bonne nouvelle » sur l'ésotérisme et sur l'initiation en orthodoxie, en église orthodoxe. Donc ça existe toujours, c'est disponible dans la tradition orthodoxe, dans tous les pays où il y a les paroisses, les églises orthodoxes. Il y a à Bordeaux, j'ai vu ce matin l'église orthodoxe serbe en langue française et occitan. Et donc, je crois qu'il y a les autres. Peut-être qu'il y a les églises grecques, romaniennes, russes, etc. Donc, mais je crois que ce n'est pas facile de déchiffrer le sens de civilisation. Et à mon avis, l'auteur, le penseur comme
Martin Heidegger représente l'Europe dans le sens plus profond, donc l'Europe de l'être, l'Europe ontologique. Je crois que c'était l'auteur, le philosophe très tragique. J'ai écrit deux livres sur lui, sur Heidegger. Je pense qu'il est extrêmement profond, très nécessaire dans la situation actuelle pour les Russes. Et je crois que je l'ai découverte de la pensée de Heidegger. La lecture de Heidegger, d'un côté, peut très considérablement aidé à la découverte de l'identité européenne, et parce qu'il était en train en recherche du sacré aussi. Et d'autre côté, on peut retourner vers les sources, vers la philosophie platonicienne, parce que le Platon et les néoplatoniciens surtout, que j'étudie aussi, c'est vraiment c'est la richesse inestimable de la pensée du sacré, du sens du sacré, totalement opposée à l'automisme, individualisme actuel. Parce que je crois que l'Europe actuelle, officielle, est anti-platonique. Je crois qu'on peut créer le front platonicien. Sans préciser qu'il s'agit des musulmans, des orthodoxes, des païens, mais nous tous sommes les platoniciens et heideggeriens en même temps. Donc c'est pas facile de réconcilier, mais je crois que ça sera une bonne orientation de créer le fond intellectuel, spirituel et politique même, platonique. Christian, peut-être tu vois quelque chose à... Sur cette question-là, oui. Moi je l'avais déjà dit dans un colloque à Moscou, je pense que toute conversion est une forme de tourisme spirituel. Donc en fait, quand on a été élevé dans une... quand on a été élevé dans une foi, on ne peut pas se convertir à une autre religion, parce que dans ce cas-là, on fait du tourisme. Maintenant, c'est vrai pour les gens qui sont de ma génération, parce qu'on a encore connu le catholicisme en France. Ceux qui sont des générations de mon fils ou des générations plus jeunes, ils n'ont pas été élevés dans une foi qui était réelle. Donc en fait, ils n'ont même pas le problème d'une conversion à une nouvelle religion. Ils ont tout simplement le problème, pour beaucoup, d'entrer dans une relation première entrée, quoi. Donc pour eux, le problème n'est pas le même. Mais pour ceux de ma génération, on ne peut pas se convertir, puisque si on se convertit, c'est quelque chose qui est, on va les faire du... J'en ai vu beaucoup, hein, parce que comme j'ai quand même fréquenté le milieu traditionnaliste pendant longtemps, j'en ai vu beaucoup qui étaient un jour bouddhistes tibétains, après on les a retrouvés soufis, après voilà, et ils ne font que des conversions successives, quoi. Ce qui est vraiment du tourisme, ce qui est le monde moderne. Il y avait une autre chose quand vous parliez de l'islam, là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous savez, on nous parle régulièrement en Algérie, au Maroc, on nous parle régulièrement des persécutions antichrétiennes. En fait, qui persécute-t-on en Algérie ou au Maroc? On persécute des évangélistes. Ce qui fait qu'en fait, je ne suis pas certain qu'entre un salafiste et un évangéliste, il y en ait un qui soit mieux que l'autre. C'est aussi la deux phases. Enfin, entre un wahhabite et puis un mec qui suit Jerry Falwell, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Donc on n'a pas de raison. On n'a aucune raison de soutenir les salafistes, mais on n'a non plus aucune raison de soutenir ces espèces de sectes protestantes qui essaient de s'implanter dans les pays et qui sont, à mon sens, aussi nuisibles pour les cultures populaires, quoi. Alors, quand on voit, là, c'était tout récemment, enfin bon, il y a des destructions en Libye, en Égypte, dans tout le Maghreb, en fait, il y a des destructions continuelles de lieux saints, de tariqa et tout ça. C'est quelque chose qui est dramatique, et c'est en fait, c'est aussi nous qu'on agresse en faisant ça, puisqu'en fait, ceux qui se reconnaissent de la tradition sont tous unis dans le front de la tradition, quoi. Je voyais quand tu parlais là du cher qui s'est fait assassiner dans le Caucase aussi, c'est pareil, quoi. C'est un des nôtres qu'on assassine, quoi. Et ça, c'est les bras armés, les lointains bras armés de l'impérialisme américain, quoi, qui sont en train de faire ça, quoi. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon.